Sept filles, maman. Oh. À la une de l'actualité, le 18 juillet 2022 à 21h24, heure de Belgique, c'est lorsqu'on a entendu le premier cri du bébé Henrietta Princesse. Tout a commencé le samedi. Vers l'après-midi, la star a eu ses premières contractions, direction l'hôpital de Belgique. La star, Karine Mokondi, la baronne, a commencé ses douleurs d'enfantement le samedi vers l'après-midi lorsqu'elle a signalé à son mari et à sa mère de pouvoir l'amener à l'hôpital. Informant ainsi ses connaissances qu'elle avait des contractions, celles-là lui ont gardé en prière, espérant en un miracle, toujours stressée. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières montées vers l'Éternel, garde la star Karine Mokondi avec beaucoup d'émotions, beaucoup de patience et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Arrivant ainsi à l'hôpital à Belgique, Karine Mokondi, accompagnée de son époux et Vicky Kouli, qui était là à ses côtés, attendent le moment le plus merveilleux. Les contractions ont commencé le lendemain. Ah! J'ai trop mal. Ouais. La préparation de l'infirmière à la femme enceinte pour l'accouchement. C'est alors que les infirmières se sont rassurées que la femme enceinte était en bonne santé et les bébés aussi étaient en bonne santé. Karine Mokondi a passé son temps à glorifier l'Éternel pendant qu'elle était dans la salle d'accouchement, remerciant Dieu pour ses bienfaits, accompagnée ainsi de sa mère, maman Charlotte Tchoumbé, et de son mari, Monsieur Evicky Kouli. Karine Mokondi était confiante en l'Éternel. Elle était en train de lancer des cris de joie, les cris d'allégresse sur la venue de cette princesse autant combattue sur les réseaux sociaux, autant humiliée, autant attaquée. La fille, la princesse de l'Éternel, a gardé la tête haute et sa mère était en train de célébrer son arrivée le 18 juillet. 2022, accompagné de maman Charlotte, de Dieu et de son époux. Le premier cri du bébé. C'est fini, maman. Sortant ainsi du ventre de sa mère, Henrietta Kikuli pleura d'une voix forte, montra à tout le corps médical qu'elle était en bonne santé et qu'elle était née pour briller, car son étoile brillait déjà dès le ventre de sa mère. C'est ainsi qu'on voit la joie de maman Charlotte qui a combattu, humiliée dans le réseau social par plusieurs personnes mal intentionnées sur la naissance de sa petite fille. La fidélité de Dieu sur un enfant qui a été promis s'accomplit.